Attention, attention, ce contenu est bloqué suite à une mauvaise gestion de votre part. Pour accéder au contenu, il faut poser un pouce bleu à cette vidéo, juste là, j'ai tout mon temps, alors clique le pouce, clique-le bien le pouce, clique. C'est bon, tu as réussi? Eh bien c'est parti mon petit sucre d'orge. Quand des non-subs demandent à l'occurrence des cadeaux. Gueule, on s'en branle! Des modos regardant Locke lire que 10 lettres alors qu'ils en ont trié plus de 300. Tuez-moi! Votre monde, votre chat, notre chat. Aïe aïe aïe, Giga Chad! Vos boules? Non! Frérot. Votre puceron. Votre chanteur. Oh non, s'il te plaît, non! Ok frérot. À 9h du matin. Si vous n'étiez pas au courant, mesdames et messieurs, à 9h du matin, dimanche, on a fait une opération de type commercial où on a React au World Cup de Naraka, la hiérarchie du live. Les squeezos. Les prime. Les non-subs. Non mais frérot, mais vraiment, c'est un mec qui a offert des subs. Il a offert un sub à un non-sub et du coup ça lui a protégé du train. Ok frérot. Le récap de Argentine-France. Ah là là, et tu sais, c'est trop marrant parce que j'ai eu mon père au téléphone hier. La première fois de ma vie, je parle d'un match de foot avec mon père. Tu sais, je lui dis, écoute, j'ai regardé avec ma communauté et tout, on a regardé à chaque dixième de seconde en ralenti et tout. L'arbitrage était foireux, quoi. Et lui, il me fait, non, moi, je pense qu'il était bien, machin, ils étaient meilleurs que nous, point, tu vois. Je dis, moi, j'ai regardé avec mon chat, on était là avec le chat et on a tout vu. On a tout vu que le mec trébuche tout seul. Surf un tsunami. Oh, ça, c'est chaud. Mec, c'est tellement des tarés. Non! Attends, il va revenir? Putain, mec! Oh là 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 là! Pour ceux qui ont la carte business class. Tiens 3, 40 mois de sub. Oh waouh waouh. Oh là 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 là. Truc de fou. Oh là 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 là. Bonjour monsieur. C'est un honneur. Ce gars c'est le maître. Il y a Inox, venez s'il vous plaît. C'est quoi, y'a quoi? C'est quoi? Non mais apparemment tu sens. Avec moi, deux mois. Oh merde. Et Brie, mets-toi bien près de ton ref. Ah voilà, dans les fils de... Non, 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 mais c'est... Dégage. Quand les modos viennent chez Locke pour récupérer leur salaire. Les modos. Merci les modos de m'aider toute l'année. Merci. Les modos vus par Locklear. Alors, ça c'est un mime. En fait, personne ne comprend vraiment ce mime. Les gens pensent, quand vous voyez ce mime, vous pensez que c'est les modos qui sont en mes simp ou les modos qui sont en mode amène Locklear machin. Non. En fait, il y a une blague interne qu'on se fait avec les modos. C'est Locklear et les 7 nains. Parce qu'en fait, mes modos font... Il n'y en a pas un qui fait au-dessus d'1m60. Ouais, j'ai... des meufs, j'ai des arabes, des noirs, j'ai tout dans ma modération. Et y'en a pas un, hein, y'en a pas un. Hein. Y'en a pas un qui fait plus d'un des 60. Oh, comme trois pommes. C'est assez incroyable. Et en fait, et à chaque fois, genre des fois on parle et on part un peu loin, on dit on va organiser des combats de catch. Parce que des fois y'a de la modération qui s'embrouille, tu sais. Tu vois des petits gars de 1m60 se battre, c'est assez drôle. Quand un viewer fait une rêve TikTok sur le Reddit de Locke. Oh, ça c'est... Ça c'est une autre époque les gars. C'est vrai que j'ai pas les rêves TikTok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et alors? La CPE du primaire collège. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et comment t'as eu cette photo là? Du primaire collège quand Noël approche et qu'il faut passer dans toutes les salles. C'est sur mon Insta. Alors quoi? Oh waouh! Ok non, c'est ça que je voulais les gars. Je voulais des gens qui me photoshopent avec les cheveux longs. Chat, c'est moche non? C'est trop laid! Et vous, qu'en pensez-vous? Cela lui va bien ou non? Dites-le nous dans les commentaires. J'ai quasiment déjà ça en plus.
C'est méga moche. Vas-y, je coupe, hein. Doc arrivant au live Noël en retard de 20 minutes pour pas préparer avec un matos qui fonctionne pas. C'est ça qui est bon dans le streaming. Mec, ce film, il est incroyable. Faut le regarder en VO. Ça s'appelle Zoolander. Faut le regarder en VO, les gars. C'est incroyable, ce film. Le mec qui tu tues en CSGO avec 350 MS. Provincie Rizal. Nad těmito zapálenými, vlastně zaplavenými hráči musí nesouhlasně pozdvihnout obočí každý elektrikář. Dá se samozřejmě předpokládat, že v této tajfunové oblasti jsou na záplavě. No, mais c'est un truc de ouf. Eh, ça c'est moi, hein, ça c'est. Eh, mec, moi y'a rien qui m'empêchait à faire du gaming. Si ça, ça arrivait chez WAM, je serais là. Je serais en train de streamer comme ça. Doc est censé lancer son live à Inter. Frérot! Lâche-moi un peu du lest là! Ah, chef, mais c'est quelle heure ça pour arriver? Le soleil, il est parti depuis. À chaque fois que j'allais aux Philippines, il y avait le marchand de glace qui passait. C'est une expérience assez unique parce que fallait la vivre, tu sais. Fallait la vivre, tu sais. C'est vraiment une expérience humaine. T'avais le marchand de glace avec son giro à fond et qui passait. Dès qu'il passait, t'as tous les enfants qui sortaient. Et on sortait dans la rue et tout, avec nos billets dans la main et tout, pour prendre une glace, quoi. C'était incroyable. Alors, moi, j'ai découvert les Philippines plusieurs fois. J'y allais tous les deux ans. Parce que ma mère est Philippine. J'ai beaucoup voyagé maintenant. Et je vous le dis, on est extrêmement aigri. Et pour le moment, c'est le top 1. C'est le top 1 aigri. Quand t'atterris aux Philippines, t'atterris à Manille, ok? T'atterris à Manille, tu prends un taxi, il y a que des bidonvilles partout. Il n'y a que des bidonvilles, des maisons en tôle, des petites boîtes en tôle qui font même pas la taille de mon studio. Qui font la taille de ma table, frère. Où les mecs, ils ont une petite télé, tu sais, avec les antennes, pour se divertir. Et genre un matelas. Et après, tu passes un checkpoint. C'est chez les gens modérés, riches, tu vois. Et c'est horrible. En Chine, c'est pareil. Allez, on avance. Lock quand il a fini jumping. Dites à Leclerc de pas couper ses cheveux. Ça lui va à ravir. Et il est parfait tel qu'il est. Non mais ces photos, elles sont très bien. Ces photos sont très bien. Mais frérot, il y a une différence entre moi avec une casquette et sans casquette. Dans la vie de tous les jours, je n'ai pas de casquette. Et avec une casquette, c'est mignon les trucs là, les riflouquettes là qui vont dans tous les sens. Mais quand tu retires la casquette, c'est terriblement horrible. Dites en collab avec Lina la jeunesse, promis, c'est pas cringe. Oh putain, ça va être méga cringe. Vous savez que mec, généralement, ok, je vais vous dire un truc cringe sur moi. Vous voulez que je vous dise un truc cringe sur moi vu qu'on voit, on regarde des trucs cringe. J'aime bien aller voir des meufs et leur dire bonjour madame. Est-ce que vous pensez que je devrais couper mes cheveux? Je vous jure. Dès que je croise une meuf un peu stylée, je lui demande « Eh, tu penses que je devrais couper mes cheveux ou pas ?» Et vous savez ce qu'elle répond? Elles m'ont toutes répondu avec mon charisme phénoménal. Et toutes répondent « Oui ». Voilà, vous voulez la réponse? Toutes répondent « Oui, coupe-toi les cheveux !» Oui. Voilà. Quand elles voient ça, elles sont là. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que je devrais couper mes cheveux? Bonjour madame. Est-ce que je coupe mes cheveux? Oui, oui, coupe tes cheveux. Là, il faut que ça arrive. En fait, j'aimerais juste que mes cheveux là, ils arrivent là. Je sais pas encore. Je sais pas encore. On va voir. Mais honnêtement, les gars, je suis trop proche du but pour m'arrêter maintenant. Donc, les gars, j'ai trop souffert pendant une année à me laisser pousser ces cheveux absolument atroces sur ma tête pour couper maintenant. Tu nous chanterais une chanson? Si tu chantes, je te donnerai des Prime. Hein? Yes! D'abord, tu dois chanter. Alors, le pire, c'est que souvent, c'est quand je chante sur un... Et tu sais, dans la rediff, y a pas la musique. Mais ça, c'est sûrement le truc de Halo, je crois. Donc, quand un modèle fait plus de 1m60. Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! Aïe, 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 ok, j'arrête. Merci hein, pour tous vos Reddit reviews. Merci encore pour tout, les gars. On est good vibes ici, on est good vibes.